Alors, nous allons attendre peut-être une petite minute, comme d'habitude, pour laisser les autres arriver. Et on va commencer le cours. Judith est là. Ice Cube, vous êtes encore là? Vous étiez dans une cathédrale, hein, quand même, hein? Judith, donc Ice Cubes, encore une fois bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. Marwa, bonjour. Ben Maé, bonjour. Bickert, bonjour. Classis, vous êtes là, bonjour. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. On va commencer, puis on verra si les autres arrivent ou pas. Et comme ça, regardez, ça c'est la première chose. À vous la parole, c'est comme d'habitude, essayez de me faire une phrase qui continue. Je me demande. Si. Oh là là, sortons le champagne. Alors Victoria est là, bonjour. Mais je vois quoi? Je vois que Judith nous dit, je suis très heureuse, aujourd'hui j'ai reçu un email et j'ai passé le DELF A2. Youhou! Vous allez voir Judith, entre le A2 et le B1, c'est vraiment facile. Donc à mon avis, maintenant que vous êtes sur le A2, continuez avec le B1 et vous allez voir que ça va être vraiment, vraiment très, très facile. Donc restez motivés, continuez, youpi, youpi. Alors, Anas nous a rejoint, Finzark est là aussi, vous connaissez, j'imagine, le fonctionnement. Continuez la phrase, écrivez-moi une phrase et puis on fera la correction ensemble si c'est nécessaire. Alors, Curtis vient de nous rejoindre. Curtis, écrivez une petite phrase pour continuer le début. Je me demande si. Et donc, Bickert est le premier à nous dire, je me demande si, alors, l'affaire quelque chose tout de suite. En fait, utilisez plutôt si. En fait, vous êtes obligé d'utiliser une structure verbale. Donc, si, mettez le sujet, je,
fais, ou peut-être le futur proche, je vais faire quelque chose tout de suite. Et là, ce serait bien tout de suite. Suite, c'est avec un E après le T. Et ce sera parfait. Ensuite, Hic qui nous dit, je me demande si je peux aussi passer le test de français en ligne et est-ce que je suis capable de le réussir? Oui, c'est possible. Alors, pour le test de français, Judith nous parle du DELF. Donc, c'est le DELF. C'est pas possible de le passer en ligne. On est obligé de le passer dans un centre d'examen. Probablement, il y a un centre d'examen dans votre pays ou peut-être dans votre ville. Regardez. Et commencez, oui, pas de problème. Vous pouvez commencer avec le DELF A1, après, comme je dis, A2, B1, B2. B2, c'est déjà très, très bien. En général, on demande le niveau B2 pour les étudiants étrangers quand ils veulent étudier dans une université en France. Donc B2, c'est vraiment très 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 convenable. Hein. Donc Hic, oui, c'est possible, mais pas en ligne. Donc Curtis nous avait dit bonsoir, bonsoir, bonjour. Victoria, je me demande si j'apprendrai à parler le français. Mais bien sûr, Victoria. Victoria, une chose très importante. J'ai une bonne mémoire et j'ai remarqué, Victoria, vos progrès et votre évolution avec le français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je peux dire que vous avez progressé. Donc, continuez, continuez, ça, il n'y a pas de problème. Vous, sérieusement, Victoria, vous progressez, et ça, c'est clair. Les autres peuvent le dire aussi, donc pas de problème, hein. Franchement pas de problème. Alors Classis nous dit, je me demande si je peux suffisamment améliorer mon français pour la fin de l'année. Oui, Classis. Et si vous voulez, si vous allez en France, eh bien nous aurons l'occasion de prendre un café ensemble et nous pourrons parler en français. Si vous allez à Paris, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, Anthony nous dit bonjour à tous. Bonjour Anthony, s'il vous plaît, faites l'exercice. Marois nous dit, je me demande s'il faisait beau. Ah oui, alors regardez, ouais, regardez Marois la structure. D'accord. Donc vous voulez utiliser le si avec l'imparfait. Et c'est parfait. La première chose, souvenez-vous que le i de votre si, vous allez l'enlever, vous allez mettre l'apostrophe. Donc, je me demande s'il faisait beau. Et après, vous allez continuer ce que je. Et on va continuer avec le conditionnel présent pourrait faire. Hein? Souvenez-vous, j'ai fait des vidéos là-dessus. C'est assez formaté. Si plus imparfait. Après, ce sera automatiquement le conditionnel présent. Ce n'est pas le subjonctif comme vous avez mis ici. Donc, je me demande s'il faisait beau, ce que, CE, ce que je pourrais faire. Merci. Curtis nous dit, je me demande si je vais retourner en France un jour. Mais bien sûr, il faut attendre que les avions volent. C'est la seule chose pour l'instant. Les avions sont paresseux, ne volent plus. Ice Cubes. Je me demande si Vincent fera une leçon Zoom le matin parce que je travaille encore l'après-midi. Ah, si c'est demandé gentiment, dites-moi à quelle heure et puis on peut éventuellement négocier. Pour l'instant, c'est Ice Cube, c'est pour des questions d'accessibilité. À l'heure, à 16 heures, on peut toucher un petit peu toutes les régions du monde, plus ou moins. Mais on va voir. Proposer une heure et on peut négocier. Ben Mae qui dit, je me demande si mon français s'améliore. Tout le monde parle de son niveau de français. Ben Mae, c'est la même chose qu'avec Patricia. Je pense que plus on écrit dans ces exercices-là, et plus vous améliorez votre français. Et là, par exemple, Ben Mae, il n'y a pas d'erreur dans votre phrase. Donc, c'est bien.
Franchement, c'est bien. Continuez, il faut juste persévérer, tout ira bien. Anthony, je me demande si je vais retourner en France un jour. Bah écoutez, si les gens veulent aller en France, retrouvons-nous en France et prenons un café ou une bière ou du vin, comme vous voulez, pas de problème, ce serait sympathique. Julia, je me demande si j'oblige d'utiliser la structure verbale. Si j'oblige... J'oblige quelqu'un à faire quelque chose. Julia, c'est un petit peu bizarre comme phrase. Ensuite, Michel nous dit, je me demande si ce que nous vivons actuellement est le nouveau... Ouais, d'accord. Regardez, Michel, vous avez utilisé nouveau, qui est le masculin, et c'est pas mal. Après, vous avez état. Le problème, c'est que état commence avec le son d'une voyelle. Clairement, c'est une voyelle. Donc, on utilise la deuxième version masculine de nouveau, c'est nouvelle, hein, N-O-U-V-E-L. Donc, si ce que nous vivons actuellement est le nouvel état du monde, sortant avec des masques, la distance physique et tout le reste. Si c'est ça, c'est triste, Michel. Je suis d'accord avec vous. Perilla, je me demande si je vais utiliser la cuisine ou le salon aujourd'hui. Utiliser le salon, la cuisine, bof, pas tous les jours. Hein. Alors, Finzark, je me demande si je pourrais dormir ce soir et me réveillerai le lendemain matin. Ben bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Judith, je fais... Alors faites attention, Judith, je fais F-A-I-S avec du Greta, j'ai perdu mon travail et j'ai décidé de rester avec Pôle emploi, prendre le français. C'est bien Judith, pas de problème, continuez comme ça, A2, B1, facile. Abir, je me demande si je vais savoir jouer du piano. Ah bah écoutez, il faut persévérer, ça serait... Et c'est sympathique le piano, c'est très agréable à écouter. Anas, je me demande si j'irai, J apostrophe Anna, le E disparaît, J apostrophe, j'irai où... Ah attendez, attendez, je me demande si j'irai dans Anna, dans, D-A-N-S, dans mon pays... En vacances, souvenez-vous, vacances, c'est pluriel en français, donc avec un S à la fin. Finzark, j'ai un peu sommeil, il faut aller dormir, Finzark. Si vous êtes fatigué, il faut aller dormir. Phil Bilal nous rejoint, salut, vous pouvez participer, bonjour. Ice Cubes propose une heure. Ashley est là finalement. Oh, Ashley, il est pas très très actif aujourd'hui. J'ai remarqué ça. J'ai pleuré un petit peu, mais finalement, je me suis dit, voilà, il a d'autres choses à faire, Ashley. Allez, on attaque avec cette petite photo. Je l'ai trouvée sympathique. S'il vous plaît, décrivez la photo. Vous avez une minute. Michel Rémy nous rejoint. Bonjour Michel Rémy, s'il vous plaît, participez. Alors, Hani GH nous dit, je me demande si je passerai le niveau B2 pour continuer mes études cette année. Oui, Hani, le B2, il est un petit peu difficile, clairement, il est un petit peu difficile, mais... Regardez les... Il y a des examens blancs que vous pouvez trouver sur Internet. Et souvenez-vous, Hani, que vous devez avoir 50% de la note. Donc, testez, regardez. L'écriture, c'est important. Franchement, c'est vraiment important parce qu'on attend beaucoup de choses. En B2, on veut vraiment que vous écriviez bien. Donc, concentrez-vous là-dessus. Et logiquement, ça devrait aller.
Alors, Ice Cubes vient d'inventer pour nous un nouvel animal. C'est un animal qu'on appelle un ouzo. Alors, Ice Cubes, après des performances audio assez audacieuses pendant notre court Zoom, vous inventez des animaux, c'est formidable. La créativité est au rendez-vous. Faites attention, oiseau, on écrit ça Oiseau. Et idéalement, on va utiliser le pronom relatif qui. Et le verbe, c'est le verbe voler. Et le verbe voler, c'est VOLE quand vous le conjuguez à la troisième personne. Donc merci beaucoup. Il y a un oiseau qui vole. Curtis nous dit, c'est un oiseau blanc qui cherche quelque chose à manger. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Très intéressant parce que la version qui est à l'écran est très bizarre. Elle est différente de ma version. Judith nous dit sur la photo, ouais, oubliez pas l'article, Judith, sur la photo, je vois un oiseau. Souvenez-vous, Judith, oiseau, c'est masculin. D'accord? Donc, un oiseau. Anas nous dit, il y a une mouette blanche. Anas, qui est quelqu'un de très, très précis, ça fait plaisir. Il y a, Anas, souvenez-vous, il, i, et puis après, un espace et A. Julia, le condor passe. D'accord, ça c'est des noms de code avec les autres. Ankunta qui dit, je me demande si vous voulez faire les courses. Ah oui, d'accord. Rafraîchissez, Ankunta, rafraîchissez. Vous n'êtes pas synchronisé avec nous maintenant. Alors attendez, je regarde. Marwa qui nous dit, il y a un oiseau qui vole dans le ciel. Marwa, parfait. Là, vous avez bien utilisé le pronom relatif. Le verbe, il est bien conjugué. Parfait. C'est impeccable. Michel Rémy, c'est un. Alors, faites attention, Michel Rémy. Oiseau. On est d'accord que c'est masculin, mais comme ça commence avec une voyelle, on va utiliser la deuxième version de l'adjectif masculin, c'est-à-dire belle, BEL. C'est un bel oiseau, et après vous mettez la couleur, blanc, BLANC, il n'y a pas de E. Très bien, donc c'est un bel oiseau blanc, il a à manger. Ben Maé nous dit, l'oiseau vise son repas. Oui, sympathique pour le verbe, merci Ben Maé. Anthony nous dit, sur la photo, mettez l'article Anthony, hein, sur la photo, je vois. Alors si vous dites l'oiseau, d'accord, mais c'est trop précis, on va dire je vois un oiseau, en général un oiseau. Classis, même chose Classis, faites attention, c'est un bel, BEL, hein, c'est le masculin, mais parce que oiseau ça commence avec le son d'une voyelle, on va mettre bel. C'est un bel oiseau blanc. En plein vol. Sympathique votre expression classique, c'est parfait. Victoria nous dit, est-ce une colombe? Elle vole. Victoria pose des questions. Cosmina Bellou, bonjour, comment ça va? Je me demande si je pourrais développer le syndrome de Stockholm à cause de l'isolement dans la maison. Ah, vous avez raison, Cosmina. On réagit bizarrement maintenant, hein. C'est clair qu'on n'est pas, on n'est plus des êtres normaux. Berilla nous dit, c'est un oiseau blanc. Les ailes se déplacent de haut en bas. Magnifique. Sur la photo, les ailes sont en bas du cycle. Toujours cette précision que nous apprécions chez vous. Michel nous dit, j'aime bien cette belle photo d'un oiseau tropical en vol. Je dirais que c'est une aigrette. Merci beaucoup. Ik ou Ikram nous dit, il y a un oiseau qui vole, j'aimerais bien être à sa place. C'est vrai que c'est toujours sympathique de l'idée de voler. Alors, Bickert nous dit, je vois une oiseau. Alors faites attention, Bickert, oiseau c'est masculin, donc un oiseau blanc, BLANC. Qui, on va pas utiliser le qu'il, mais le qui. Ça, c'est ce qu'on appelle un pronom relatif qui est sujet. Qui vole dans le ciel. Ashley, j'aimerais être aussi libre qu'un oiseau. Il y a une chanson, Ashley, de Michel Fugain, Fais-toi
comme l'oiseau, des années 70, hein, je pense. Vous êtes trop jeune pour ça. Alors, Anthony, merci, je vous en prie. Finzark, l'oiseau blanc vole avec le fantôme, bien sûr. Toujours un fantôme avec vous, Finzark. Il volerait la nourriture de personne avec l'aide du. Faites attention, Finzark, avec l'aide de le fantôme, de le, ça se transforme en du fantôme. Cosmina Bellou nous dit... Pour la photo, c'est un... Alors attendez, c'est peut-être un oiseau dans le magnifique delta du Danube. Eh oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'était formidable. Alors, désolé, c'est moins romantique, c'est moins poétique, c'est le passé composé. Le passé composé, on avait commencé dans l'après-midi. Alors, Julia nous dit, on ne sait pas si Ashley est vieux. Mais je crois qu'Ashley, il avait dit qu'il était jeune. Oh, je ne sais plus. Oh, enfin bon, on est tous jeunes de toute façon. Alors, le passé composé, regardez, et vous pouvez commencer tout de suite. Je voudrais, alors en fait, la forme « je », au passé composé du verbe « craindre » à la forme négative, s'il vous plaît. « Je », passé composé, négatif. Alors, Ashley, le français, c'est comme le vélo. Il faut... Non, c'est bien, mais vous avez juste mis la négation au mauvais endroit. Regardez les autres. Alors, je regarde. X, c'est bien. Julia. Julia, c'est la même chose avec le pas. Le pas, il est mal positionné. Cosmina, c'est bien. Donc Ashley qui avait corrigé, ça c'est pas mal. Donc je vous mets ici le participe passé. Finzark, ouais, Finzark très généreux avec l'été comme d'habitude. Méron, ouais. Alors, oui, mais Michel, il fallait mettre au passé composé. Marois, je n'ai pas craint, d'accord. Judith, vous avez oublié le pas. Je n'ai pas. Pas, d'accord, je n'ai pas craint. Souvenez-vous, hein, Judith, avant et après la négation, avoir ou être. Je n'ai pas craint. Alors, Julia qui donne une deuxième version, mais qui a oublié le N à son craint. Crée, un nouveau verbe. Victoria, je n'ai pas craint, c'est bien. Curtis, c'est bien. Menmae. Benmae, faites attention, vous avez oublié. Ouais, vous avez oublié le pas. Hein, je n'ai pas craint. Bickert, ouais, craint. Regardez à l'écran, Bickert. Maintenant, vous voyez avec un T, on prononce pas. Je n'ai. Faites attention, Judith. Ouais, le pas, il est vraiment après le avoir. Hein. Oui, Finzark rit de ces 3 ou 4 T, je ne sais plus. Berilla, je n'ai. Berilla, c'est pareil. Je n'ai. Votre pas, il arrive juste après avoir, souvenez-vous. Hein. Je n'ai pas. Craint. Alors, Ankuta, faites attention, je n'ai pas craint. Oui, non, l'idée ici, c'est vraiment de mettre, Ankuta, de mettre, regarder les autres, hein, de mettre la forme je et juste la négation. Hein.
Anthony, ouais, Anthony, c'est bien, Anthony. Anna, pas de problème. Alors, Ashley qui dit, il y a toujours un artiste. C'est vrai, c'est vrai. Il faut se faire plaisir, hein, c'est pas un problème, ça. Ankuta, je n'ai. Alors, Ankuta, je n'ai pas. Papa, papa, il doit être après. Alors, Hani, faites attention, Hani, je. Oui. Non, 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 Hani, je veux vraiment ici du passé composé, forme négative, hein, s'il vous plaît. C'est juste pour voir si vous arrivez à structurer pour les temps composés à la forme négative. Ankuta, je n'ai pas craint. Ouais, c'est parfait. Regardez le verbe croire. Tu, passé composé, forme négative, s'il vous plaît. Alors là, on est d'accord que le participe passé, c'est cru. Ça, pour la plupart d'entre vous, c'est clair. Attention, Bickert, c'était pas tu n'as pas croit, mais si tu n'as pas cru. Hein. Donc c'est RU. Ensuite, je suis en train de regarder. Ouais. Et un petit peu. Donc je n'y croyais pas. Berilla qui ne suit pas les recommandations Ashley, donc je suis si mal, mais non, vous inquiétez pas. Alors, Classis, je n'ai pas cru, c'est bien. Je n'ai pas, faites attention à Finzark, je n'ai pas cru, CRU. Les autres, Michel Rémy, faites attention, c'est cru, CRU. Ouais, ce qui est très très important ici, c'est de bien bien se souvenir finalement du participe passé que vous voyez. Donc c'est cru, je n'ai pas cru, tu n'as pas cru, il n'a pas cru, elle n'a pas cru, etc. Freddy Fernando, salut, je suis très content de te voir en direct. Bah, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. Participer à notre cours. Ça c'était pour tu, hein, idéalement. Donc là, alors faites attention parce que celui-là il est assez intéressant. Décevoir, même chose. Passé composé, mais j'aimerais bien la forme elle et la négation, comme d'habitude. Donc elle, forme négative, passé composé, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, comme d'habitude, la difficulté principale, c'est toujours de bien connaître le participe passé. Parce que finalement, décevoir, on utilise avoir, donc ça, c'est pas un problème. Mais comme vous remarquez, le participe passé, il est un petit peu spécial, c'est déçu. Alors, Alexandra Cassian, faites attention, décevu, c'est une erreur très très classique, hein. Classis a fait la même erreur, Anthony a fait la même erreur, c'est des erreurs très très classiques parce que c'est logique. Vous êtes logique, malheureusement, les Français ne sont pas logiques. Donc, déçu, DE accent aigu, c'est cédille. U, et on prononce vraiment su su su, hein, déçu. Donc bon, bah, c'est pas très très grave. J'avais expliqué, hein, à tout le monde que j'ai pris des verbes qui sont des verbes irréguliers parce que si je prends juste des verbes réguliers, c'est pas très intéressant finalement. Ce sera trop facile. Donc là, faites des listes. Décevoir, c'est déçu. On continue avec découvrir. Donc découvrir, on avait vu des verbes tout à l'heure qui étaient connectés à ouvrir. Donc découvrir, s'il vous plaît, la forme nous, passé composé, négation. Allez, on y va. Nous, passé composé, négation. Alors, là aussi, c'était la même chose. Découvert, c'est le participe passé. Donc, finalement, il n'est pas très compliqué pour l'utilisation d'être ou d'avoir, parce qu'il est comme la majorité des verbes, il utilise avoir. Donc, nous n'avons pas, et ça, c'est clair, découvert, donc ce sera découvert, ERT. Alors, que je. Ah, apparemment, la plupart d'entre vous l'a trouvé. Regardons, regardons. Finzark avait un doute, c'était avec un O, hein. Découvert. Anthony, faites attention. C'était découvert. Ouais. Semanta, c'était bon. Bon, alors Ashley, on sent qu'il a des difficultés là. Il faut peut-être qu'il prenne une boisson, hein. Oh, c'est pas une question d'artiste. Peut-être que vous êtes fatigué, c'est possible, ça arrive. Victoria, c'était bien. Oui, nous n'avons pas découvert. Classis, c'est parfait. Judith, bah regardez, hein. Judith, c'est découvrir. Découvrir, c'est découvert. Alors Judith, c'est comme ouvrir, comme couvrir, tout à l'heure on avait ces verbes-là, c'est la même famille. Donc nous avons ouvert, nous avons couvert, nous avons découvert. Et donc là c'était la négation qu'on cherchait. Berilla, c'était bien. Alors Ankuta, faites attention, c'était nous, hein, qu'on cherchait. Donc je n'ai pas découvert, Ankuta. DECOUVERT. Ben Maé, c'est bon. Julia qui le met à la forme affirmative. Donc aujourd'hui, nous avons découvert qu'Ashley, QU apostrophe, Ashley est un artiste, artiste avec un E à la fin.
Très bien. Donc ensuite, oui, non, je les prenais un verre. Hein, souvent, c'est la solution. Michel Rémy, faites attention, Michel Rémy, regardez. Regardez votre écran. Vous voyez que le participe passé, c'est découvert. D'accord? C'est pas découvrons. Donc, vous gardez votre structure. Hein. Nous n'avons pas découvert. Et là, ce sera parfait. Alors, regardons. Je suis désolé de vous torturer, mais c'est peut-être la meilleure solution. Le verbe devoir, qui est vraiment un verbe qu'on utilise très, très souvent. S'il vous plaît, conjuguez le verbe devoir à la personne vous. Passé composé, forme négative, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute. Alors, jusqu'à maintenant, tout semble à peu près correct. Je regarde. Marois, c'est bon. Cosmina Bellou, c'est bon. Finzark, beaucoup de U. Un petit accent circonflexe, ce serait sympathique. Julia, c'était bien, sans l'accent circonflexe. Hic, c'est bien. Classis, c'est bien aussi. Je regarde. Alors, Curtis, pas de problème. Méron, ça va. Attention, Hani, c'est pas le verbe devenir. Alors, attendez, tenez, je vous le mets ici. Regardez votre écran. C'est pas le verbe devenir, mais c'est le verbe devoir. Faites attention à ça. Ensuite, I just called, c'est bien. Vous n'avez pas dû. Freddy, c'est bien aussi. Ashley, pas de problème. Michel, c'est bien, en plus avec l'accent circonflexe, merci beaucoup. Berilla, c'est bien aussi. Victoria, pas de problème. Bon, écoutez, je pense que tout le monde a compris. Remarquez que ce qui est assez sympathique, c'est que maintenant vous arrivez bien à positionner la négation. On n'a plus d'erreur sur la négation. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, félicitations. Regardons maintenant. Le verbe dire, même chose, on va rester dans le passé composé, on va mettre il au pluriel et la forme négative, s'il vous plaît. Il au pluriel, passé composé, forme négative. Alors, jusqu'à maintenant, je suis en train de regarder, tout semble à peu près correct. Alexandra Cassian, faites attention, si vous dites rien, rien, c'est comme pas finalement. C'est-à-dire que c'est juste après avoir ou être. Ils n'ont rien dit. D'accord? Alors, idéalement, c'était une négation basique. Ils n'ont pas dit. Si vous voulez utiliser rien, c'est la même chose. Ils n'ont rien dit. Dit. Je regarde le reste. Tout semble à peu près correct. Anas,
Anas El-Ghazali, faites attention. N apostrophe. Il non. D'accord, le E, il doit disparaître et vous mettez l'apostrophe. Il non, 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 pas dit. Judith qui veut le mettre à la première personne, pourquoi pas, je n'ai pas dit. Je n'ai pas, pas, pas. Souvenez-vous, Judith, ça c'est une erreur systématique pour vous. Mettez la négation, la deuxième partie, après avoir ou être. Je n'ai pas, papa, papa, dit. D'accord. Et après, c'est parfait. Freddy, faites attention, Freddy Fernando. Dire, c'est conjugué avec avoir, comme la majorité des verbes. Donc, il, non, N-O-N, apostrophe, hein, N-O-N, apostrophe O-N-T. Les autres, c'est bien. Alors, Ashley qui se pose des questions maintenant, il fait de l'introspection, mon esprit est très loin, pourquoi ? J'ai aucune idée. Bah, il faut sortir peut-être, sortez pour vous promener, c'est peut-être la solution, des fois c'est aller dans la nature, retrouvez-vous, ressourcez-vous Ashley. Alors, c'était dit, donc D-I-T, on est d'accord, le participe passé. Allez, écrire, vous allez me donner « je », forme négative. On va le faire rapidement maintenant, hein. D'accord, donc tout le monde est clair là-dessus, c'est effectivement écrit et c'est avec avoir. Donc on va continuer maintenant, on va faire la version rapide pour vraiment finir la liste parce que j'avais sélectionné 10 verbes. Je pense que tout le monde a compris maintenant pour Alexandra qui dit « je n'ai rien écrit à ce test ». Il faut pas être triste, tout va bien. Alors donc, maintenant l'exercice change et comme ça, ce sera plus rapide. Nous pourrons passer à l'exercice suivant. Je vous donne le verbe, vous me donnez juste le participe passé. Juste le participe passé de être, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est clair à peu près pour la plupart d'entre vous, à l'exception pour le moment de Julia. Julia nous a donné le participe passé du verbe avoir. Alors, faites attention, ici, nous étions à la recherche de la forme été, comme ici. Judith, non, participe passé, c'est juste la deuxième partie que vous utilisez pour le passé composé. Hein. J'ai été. D'accord, alors ici, donc c'est comme ça. Ankuta, c'est pas la peine de nous dire ayant été, c'est trop complexe. Ici, c'est juste été. Regardons ensuite. Bickert, c'est juste été. J'aimerais bien juste avoir, s'il vous plaît, le participe passé, c'est-à-dire la deuxième partie qu'on utilise au passé composé. Anthony, c'est parfait. Victoria, c'est parfait. Jamila, c'est très bien. Michel, c'est bien. Classis, c'est bien. Peter, Rod, c'est bien. Anas,
Pas de problème, Berilla, c'est très bien. Bon, bah écoutez, je pense que tout est clair. Donnez-moi, s'il vous plaît, juste le participe passé du verbe faire. Alors, Alexandra est la première, les autres qui suivent donnent uniquement des bonnes réponses. Je dis félicitations, Anne Kouta, faites attention, c'est fait F-A-I-T et c'est pas F-A-I-S, d'accord ? Je regarde le reste, apparemment tout est clair pour tout le monde, c'est formidable, félicitations. Bah écoutez, on continue, donc F-A-I-T. Alors, Finzar qui l'écrit à l'envers et à l'endroit. Intéressant. Anguta, c'est pas grave, hein, pas de problème. Il faut faire des erreurs et tout va bien. Zid Industrie nous dit fait. Très bien, félicitations. Regardons le verbe instruire, juste le participe passé, s'il vous plaît. Eh bien, quelle fierté! Alors, vous pouvez être content et fier de vous, vous avez trouvé effectivement la bonne forme. Instruit, donc c'est UIT à la fin, un petit peu comme conduire, vous savez, conduire, conduit, UIT, construire, etc. Donc c'est la même famille, et là il n'y a pas de problème, donc c'est avec avoir, hein, on est d'accord. Continuons avec un nouvel exercice, et là, s'il vous plaît, décrivez-moi cette photo. Une petite phrase, vous avez une minute.
Mon Dieu, j'ai fait les corrections pour tout le monde et le micro était coupé comme d'habitude. Oh, je ne vais pas tout répéter, je ne vais pas tout répéter. Il y avait des choses formidables dans ce que vous m'avez écrit. Il y avait quelques erreurs, j'avais corrigé toutes les erreurs tout seul. Alors Marwa, puisque c'est vous qui me l'avez dit, c'est moi qui vais vous corriger. Regardez, Marwa nous dit il neige fortement et c'est très difficile de conduire en sécurité. Alors c'est parfait. En général, on utilise l'expression en toute sécurité, Marwa. Mais c'était bien comme ça. Hani nous dit je crois que c'est un homme qui conduit le tramway quand il fait froid. Beckert, il neige, le tramway traverse dans la rue, le tram est blanc, attention, B-L-A-N-C, dans la rue, il n'y a personne. C'est pas la peine de mettre le pas parce que vous avez personne. Hic, il y a un tram rouge qui traverse, la neige dans la rue, ça a l'air froid, d'accord. Michel, un train rouge, donc Michel Rémy, un train rouge dans la neige, c'est une fille qui le conduit, d'accord. Ensuite, Beckert, il fait la neige bien, ouais, c'est la même chose, hein. Il neige, faites attention. Julia, un jour, le tram et deux personnes amoureuses se réchauffent dedans. Oh, c'est romantique. Anas nous dit, il y a un problème. Je n'entends rien. Ah non, c'est moi le problème, Anas. C'est pas vous. Les problèmes techniques, c'est jamais vous, c'est toujours moi. Pas de problème. Ensuite, écoutez, tout va bien. Après ça, je vois, je ne pourrai pas tout corriger, malheureusement. Regardez, allez. Alors là, ça va être intéressant. Là, on va faire quelque chose qui va être assez important. J'espère que ça va être assez facile pour vous. On va voir. Donc l'idée, c'est les articles indéfinis, mais dans des phrases négatives avec le verbe avoir. Parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu bizarre. Et regardons cette phrase. Je voudrais d'abord qu'on fasse la forme affirmative. D'accord ? Donc donnez-moi juste, tout simplement, ici. Donc on va voir, regardez. Donc on a j'ai un chien, ça c'est la forme affirmative. Comment est-ce que vous mettez la forme négative de cette phrase « J'ai un chien », s'il vous plaît. Alors, je voulais vous faire un petit peu souffrir et je voulais attendre surtout pour voir. Alors, regardez, la majorité, la plupart d'entre vous ont fait l'erreur classique de mettre cette forme juste avec la négation, c'est-à-dire « je n'ai pas un chien ». Mais regardez, et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre article 1
va être transformé en de. Et donc, comme certaines personnes d'entre vous l'ont trouvé, je regarde, je vois Edem, Michel c'était bon, Marois c'était bon, je pense qu'il y avait un bon nombre d'entre vous, Cosmina c'était bon, faites attention. L'idée ici, c'est que vraiment, quand on va mettre la négation, alors c'est l'idée de l'exercice, hein, on utilise avoir, on est d'accord, hein. J'ai un chien, vous mettez la négation, vous allez obtenir je n'ai pas de chien. D'accord. Barati nous a proposé je n'ai pas le chien. Non. Non, non, je veux pas le, mais je voudrais vraiment la transformation de un en deux. Et c'est vraiment ça le concept. Donc regardez, ça, si ça c'est clair, maintenant on va passer, regardez, I just called qui nous dit je voudrais avoir un chien, bah oui mais c'est autre chose ça. Alors regardons maintenant, j'ai une voiture, s'il vous plaît, mettez la forme négative de cette phrase. Alors, nous sommes d'accord que, effectivement, ici, c'est exactement la même ou le même concept. La forme affirmative, j'ai une voiture. On a le verbe avoir. On a ici notre article une. Vous mettez la forme négative, une va se transformer en de. Je n'ai pas de voiture. Et donc là, apparemment, tout est à peu près clair. Faites attention, Zind Industrie, ce n'est pas je n'ai pas de un voiture, mais vraiment l'article disparaît complètement. Donc Judith, ouais, j'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. J'ai un chien, je n'ai pas de chien, comme on avait tout à l'heure, d'accord. On va continuer dans la même logique. J'ai des amis, je vous attends pour la forme négative, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, il semblerait que je ne sois pas suffisamment clair, puisque nous sommes d'accord que l'exercice, il est systématique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un. Un s'est transformé en deux. Après, on avait une. Une s'est transformée en deux. Et ici, on a des, et des va se transformer en deux. Mais si vous regardez, comme d'habitude, nous avons un mot qui commence avec une voyelle ou le son d'une voyelle. Donc, notre E va disparaître. On va mettre l'apostrophe et nous allons obtenir « je n'ai pas d'amis ». Et c'est vraiment le concept. Alors, la majorité d'entre vous avait compris. Certains ont voulu garder le « des ». Non, 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 c'est le même concept pour « un », pour « une » ou pour « des ». Si vous mettez la négation avec le verbe « avoir », on va transformer ça en « de ». Et bien sûr, s'il y a une voyelle, vous mettez l'apostrophe. « Je n'ai pas d'amis ». D'accord ? Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Remontons, remontons, remontons. Ah, voilà, très 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 haut. c'est la fin du cours, c'était vraiment sympa, merci beaucoup. Nous allons continuer demain. Demain, globalement, ce sera la même chose. C'est-à-dire que demain, on va commencer à 10h. Je pense qu'on pourra aussi continuer à 11h, normalement. Il y aura les quiz entre les cours. Il y aura le cours Zoom à 16h. 17h, on fera comme aujourd'hui les exercices en direct. Et après, il y aura des quiz. Donc comme ça, c'est possible de participer en fonction de l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup. C'était très très agréable, très sympathique. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais vous tester demain et les jours suivants. Et passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Au revoir et à bientôt.